Bonjour. Je verrai avec vous comment est-ce qu'on va semer proprement. Beaucoup se retrouvent en train avec l'argent. S'il te plaît, tu peux m'aider? Bon, j'ai déjà. J'ai besoin que tu tiennes celui-ci. Non, non, sa soeur arrive. Je lui demande d'attendre, elle attend que je finisse un peu. Si je mets là-bas, tu vas tenir celui-ci. Non, pas celui-là, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis en caméra d'arrière. Donc, voilà. Super. Tu fermes? Non, ça va. Bonjour. Giovanna, on s'est parlé. Ok. Alors, bonjour. Ok. Je vais vous enseigner aujourd'hui sur comment semer proprement. Parce que beaucoup d'entre vous, vous aimez Dieu. Vous voulez faire du bien. Vous voulez faire bien. Et parfois, vous ne savez pas comment. Donc, je demande l'assistance de nos ancêtres. Dans la présence du Saint-Esprit, pendant que je vais enseigner. Donc, j'espère que vous avez déjà purifié votre maison. J'ai envie de brûler l'encens, en fait. Vous devez purifier la maison. Il y a beaucoup de vent sur la terrasse. Voilà. Donc, je purifie l'atmosphère. Je demande la présence du Saint-Esprit. Si vous avez, vous rappelez du nom de vos ancêtres, vous pouvez les appeler. J'appelle ma grand-mère, maman Mathieu Gisèle. J'appelle aussi mon grand-père, papa Photo Chrétien, papa Photo Samuel, papa, maman Photo Esther. Voilà. Je demande votre inspiration. Je demande la présence du Saint-Esprit, de l'ange Michael. La présence de l'ange Gabriel. Demande la présence des séraphins qui puissent guider cet enseignement, que les barrières générationnelles de pauvreté soient brisées sur vous, que la souffrance que vous avez connue dans l'enfance disparaisse de votre esprit pendant que j'enseigne. Voilà, au nom de Jésus-Christ, amen. Donc bonjour, bonjour, bonjour. Merci Johan. Bonjour, bonjour. Donc, je vais enseigner avec la Bible aujourd'hui. Écoutez, ce serait de la folie d'avoir ton dernier verre de maïs. On te donne un verre de maïs, on dit, voilà, ça c'est le dernier verre de maïs qui te reste sur la terre. Tu prends le maïs, là tu manges et tu espères avoir un champ de maïs dans quelques temps. Donc, c'est impossible. Je sais qu'il y a des gens qui croient cela. Ouais, je peux toujours, on ne sait jamais, non. Soit tu prends le maïs, tu prends la moitié, tu sèmes. Mais pour que tu récoltes quelque chose, il faut que tu aies semé. Et dans Galates, Paul dit, do not be fooled. Because anything you reap, you sow, you will reap. Do not be fooled. Ne vous trompez pas. Tout ce que vous allez semer, vous allez récolter. Même si tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, vous dites, tu fuis, on ne te retrouve jamais. Ne te dérange pas. Le karma te regarde. Ne te dérange même pas. Je cherche là où il parle de do not be fooled. C'est Galates chapitre 5, je pense. Whatsoever a man sows, he shall reap. Si vous trouvez le passage, donnez-le-moi. Ok. Donc c'est dans Galates, c'est ce que je me rappelle. Donc vous devez comprendre que
Ce qui dans le monde entier, tout s'achète. Il dit oui. Il dit ok. Si quelqu'un veut la maison, il utilise quoi? L'argent. Tu veux la voiture? Non, c'est revenu. Donc, comme je disais, tu veux la voiture, tu payes avec l'argent. Tu veux la maison, tu payes avec l'argent. Tu veux manger, il te faut l'argent. Même les papiers, le titre de séjour, pour déposer l'application pour avoir le titre de séjour dans les pays où vous êtes. Pour avoir le visa, il faut l'argent. Même la liberté. J'ai d'ailleurs des gens qui sont sortis de prison. Ils me disent que je suis incarcéré dans telle prison. Ma peine va finir dans 5 ans. Je dis, mais tu fais quoi devant moi? Il me dit, non, si tu payes 30 000 par jour, tu sors. Donc, si par mois, tu as 30 000 par jour pendant 10 jours, ça fait 300 000. Bon, fois 3, ça fait 900 000. Donc, si tu as 1 million le mois, tu payes 1 million, tu passes chaque jour dehors. Donc, la liberté même s'achète. Je dis, mais ça, c'est très intéressant. Et là, il me dit, il n'y a que les chrétiens qui pensent que ils vont venir. Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur. Ils finissent de pleurnicher. Ils font Amen. Ils se lèvent, ils partent. Je vais encore vous lire Malachie. Tout s'achète. Même la malédiction qu'on a mise sur toi, là, pour enlever ça, tu dois payer. Oh God, hakap. Tu ne veux pas donner, tu laisses, ça ne te dérange pas. Donc Malachie chapitre 3, au verset 10. Verset 8, pardon. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Absence de offrande, absence de dîmes. Il parle de malédiction. Maintenant, il dit que si tu apportes, tu donnes. Ça, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi. Il dit apporte. Après, il dit vois si je ne vais pas mettre la bénédiction. Ça veut dire qu'il remplace ta malédiction par la bénédiction. Et vous savez qu'il y en a parmi vous. Il y a des gens qui sont partis pour vous maudire. Ils sont partis, ils ont dit que non, maudissez-moi la fille là. Mettez-moi ça sur elle. On donne quelque chose. Tu arrives, tu déposes ça en bas de son lit. Il vient, c'est toi, oh, je viens dormir avec toi. Je viens dormir chez toi pour la. Je viens passer 2 jours. La personne fait un voyage de 8 heures de temps. Elle quitte de Newcastle. Elle vient à Birmingham te voir. 8 heures de voyage. Parce que la personne vient pour lancer un truc, un talisman qu'on a donné, qu'elle lance dans sa maison. Dès que la personne part, les choses ne marchent plus. Et le Seigneur dit, vous êtes maudits parce que vous me dérobez en offrande et en dîme. Après, lui-même, il te dit encore. Au 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Au 10, il dit, quand il demande comment rectifier, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Après, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux, c'est la pluie en abondance, les bénédictions, les idées, la protection. Le dévoreur, voyons un peu les voies par lesquelles le dévoreur peut prendre ton argent. Ta voiture se gâte. Tu achètes un appareil, ça ne marche pas. Ton frigo se gâte. Tes enfants tombent malades. Un de tes ouvriers vient sur ton chantier, il vole ta marchandise, il part avec. Tu as des pertes. Un des employés dit, wow, il faut 500 000 pour acheter telle chose. Il va dessus, il retire 200 000, il met dans sa poche. Tu es volé. Quelqu'un te paye, ta caissière porte l'argent, pas avec. Toi-même, tu tombes malade. On te vole. On vient chez toi, on cambriole, on part avec. Il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup. On te dit qu'il y a un réseau pour faire telle chose, ça coûte 2 millions. Quand tu arrives, on te dit que le réseau coûte maintenant 4 millions. Pourquoi le réseau l'a changé quand tu es arrivé? Pourquoi ça commence à coûter 4 millions quand toi tu arrives? L'opposé, l'inverse de ça. Voilà les faveurs qu'ils trouvent souvent les gens. J'ai une amie en Angleterre. Je peux dire que c'est l'incarnation de la dîme. Elle paye, ça fait au moins 8 ans qu'elle paye fidèlement sa dîme. Voici le genre de situation qui lui arrive souvent. Elle te dit, je suis arrivée chez Tesco ou bien je suis arrivée chez Sainsbury's pour faire mes courses.
Quand je suis arrivée, le jour là, il y avait les soldes. Toutes les choses qui étaient à 50 pounds, on a mis à 20 pounds. Oh, la viande qu'on vendait à 15 pounds le kilo. Je suis arrivée, j'ai trouvé ça à 4 pounds le kilo. J'ai ramassé seulement. Voilà la faveur. Ce qui coûtait telle somme. Ou bien encore, généralement vous entendez ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais te faire la réduction. Je ne sais pas, mais ta tête me plaît. Ou bien la personne te dit, comme c'est toi, je te retire ça. Non, comme c'est toi. Voilà les paroles que les gens qui sont bénis entendent généralement. Tu sais que partout où tu vas aller, tu arrives même quelque part, on te dit que il est 17h05. On ferme à 17h, madame. On ne reçoit plus. Tu arrives au portail, tu dis, ouais. La personne dit, tu sais, viens quand même. Elle prend exception pour toi, elle ouvre le portail, tu entres. Alors que si tu ne te recevais pas le jour-là, tu devais rentrer dormir encore à l'hôtel la nuit-là. Après, tu devais encore attendre peut-être 2 jours parce que c'était vendredi, il fallait que tu attendes lundi. Elle t'a reçu vendredi à 17h15. C'est ce qu'on appelle la faveur. Beaucoup d'entre vous, vous manquez de faveur. Et vous vous dites toujours, voilà, mes choses ne marchent jamais. Mes choses ne marchent jamais. On ne doit pas te convaincre pourquoi tu donnes. Écoutez. On ne doit pas te convaincre. Si tu es encore au niveau où je dois venir, ouais, tu n'as pas payé ta dîme ce mois. Ouais. Et quand tu payes, tu m'envoies le reçu. Tu dis, j'ai payé ma dîme. Tu ne dis rien. J'ai payé ma dîme, tu ne dis rien. Si c'est moi qui vais encore te féliciter parce que tu as fait ton offrande, parce que tu as fait ta dîme, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Golden Fate, je vais enseigner, tu vas prendre ce que tu veux prendre. Tu as compris, non? Parce que tu me demandais si les faveurs s'achèvent. Est-ce que la grâce et les faveurs s'achèvent? J'ai lu la Bible. J'ai lu. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une façon d'activer. D'activer. Qui fait que quand tu marches partout où tu vas, on lit même ton nom. Dès qu'on lit ton nom, que tu Guruma Kumate Jeanne. Dès qu'on lit ton nom comme ça, là, la personne ne sait pas pourquoi. Dès qu'il prononce ton nom, elle n'a pas. Ses papiers ne sont pas. Elle n'a pas mis tous les papiers du dossier. Donnez-lui quand même le visa. Sa tête me plaît. Donnez-lui le visa. Donnez-lui le visa. Pour rien. Hein? Comme ça. Monsieur Fomo, comment c'est comment? Pour rien, on t'ouvre les portes. La personne ne sait pas pourquoi, mais. Ok. Il te donne. Que tu penses là-bas. Hein? Et il y en a parmi vous, je sais. Vous êtes conscient de ce qui vous bénit. Vous savez comment votre bénédiction arrive. Vous savez comment. Bonjour le roi Fodo. Chacun gère son karma. En fait, je n'aime même pas trop dire le mot karma parce que karma, ça fait genre, c'est trop loin, ça ne peut pas m'atteindre. Samuel, monsieur Kwan, mon temps, quand je parle avec quelqu'un, c'est payant. Tu as compris? Tu as compris, non? Donc, il y a les numéros, les représentants. Si tu dis que tu veux me parler, tu vois le numéro des représentants. Tu contactes, si tu contactes, tu prends rendez-vous avec moi. Voilà. Bonjour, Ngassa, la reine Ngassa Stéphanie. Vous devez comprendre que si votre vie n'avance pas, il y a quelque chose que vous ne faites pas qui permet à la malédiction de vous accéder, de venir à vous. Donc, on va aller dans Deutéronome. Et bénir la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 8. Un jour, tu m'avais demandé de lire, c'était Deutéronome 6. 8. Ok. On va d'abord prendre le verset 18. Après, on va remonter. Je vais vous montrer comment il commence sa chose. Quand Dieu travaille, il vous donne toutes les instructions. Et quand tu suis les instructions de Dieu, c'est là que tu seras sauvé. C'est un peu comme si tu dors là. Tu vas signer un contrat avec quelqu'un ou bien tu vas aller louer une maison. Le matin là, tu vers 5 heures, tu vois comment il y a les serpents dans la maison là ou bien tu vois comment la maison là brûle. Tu te lèves. Si tu te lèves, tu peux toujours louer la maison là. C'est que toi, là, tu n'es pas normal. Ou bien tu vas avoir une voix qui te dit que ne prends pas la maison là. Dieu va te guider. Donc, la Bible dit ici, Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour t'enrichir, pour les acquérir. Deutéronome 8, verset 18. Afin de confirmer ce comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Faisons les puces les îles. Ok. Donc on va prendre maintenant verset 1 de Deutéronome 18. Deutéronome 8, pardon.
vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré à vos frères de vous donner, à vos pères. Écoutez, la bénédiction, ce n'est pas le hasard. Tu ne te lèves pas le matin, tu tombes, I woke up like this. Jamais. C'est délibéré. Tu connais que c'est la dîme que je donne qui me donne ceci. Ce sont les offrandes que je donne qui me donnent ça. Ce sont les prières que je fais, mes lavages que je fais qui me donnent ça. Que c'est les offres, tous les dons que je fais à l'orphelinat qui me donnent ça. De la même façon qu'un businessman connaît que ce sont mes investissements ici qui vont me donner ça. Dans le spirituel, c'est la même chose. Arrêtez de faire des trucs au hasard. Ah, je ne sais pas. Ma vie ne donne pas. Hein, je fais comment? Hein? Premièrement, vous savez que je vous apprends beaucoup à formuler vos prières. Vous devez apprendre à demander. Matthieu 7, 7, demandez, on vous donnera. Apprenez à demander. Vivien Fossi, ne lave pas tes enfants avec tes urines. Non. Eux-mêmes, ils ont les pipis, non. Lave-les avec leurs urines. Tu vois que les ancêtres ne comprennent pas le français. Les ancêtres comprennent le langage spirituel. Avant que tu ne parles les mots, ce que tu dis, c'est d'abord dans ton esprit. Donc, tes paroles-là, c'est juste vague. C'est seulement pour t'adresser à cette dimension physique. C'est pour ça que souvent, quand vous faites des rêves où vous voyez les anges, vous êtes conscient que quand les anges, quand ils vous voient, vous ne parlez pas. Ils connaissent vos pensées. Parce que dans le spirituel, on communique spirituellement. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Tu vois, même si vous mettez les têtes là, je m'en fous de vous. Mettez les cœurs. Bonjour à mes ennemis. Bonjour. Bonjour. Vous voyez comment le soleil brille sur moi. Vous voyez comment mon teint est toujours là, non? Hey! Malgré votre... J'avance toujours. Regardez comment mes dents sont blanches. Quand quelqu'un te déteste, tu avances. Là, ça l'énerve. Jesus. Ok. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Afin de l'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. L'Esprit va vous donner des instructions. Et Dieu ne veut pas que tu écoutes ces instructions une fois par mois. Parce que avec l'Esprit, ce qui marche pour toi aujourd'hui, dans deux jours, tu peux te retrouver, tu es bloqué. L'Esprit te dit, peut-être avant tu payais ta dîme une fois par mois. Il te dit, paye maintenant ta dîme tous les jours ou toutes les semaines. Après une période, il te dit, tu restes, c'est bloqué encore, les choses sont bloquées, ça rame. Il te dit, fais un don supplémentaire là-bas. Tu dois être sensible à l'esprit. Bonjour mes amis, bonjour mes ennemis, comment vous allez? Bonjour TikTok. Attends un peu, je veux voir les commentaires de TikTok. Bonjour TikTok, comment vous allez? C'est quelle Bible que je lis? C'est la Bible Louis II. Enfin, Louis II. Ça, c'est les commentaires de TikTok. Bonjour TikTok. Vous pouvez liker ma vidéo et partager. Merci pour les likes. Bonjour Verify Fatal. Very Fatal, pardon. Bonjour, bonjour et merci pour les cœurs. Bonjour Ecclesias. Merci Wonder Woman. Merci pour les likes. Il faut que tu trouves comment mettre l'écran si pas devant. Parce que là, ça, je suis dépassé. Tu sais comment faire. Cherche un peu. Merci pour les cœurs. Merci. Yes, ma peau ce matin, c'est la moi-même, ça me wonder. Jesus. C'est vrai que je n'étais pas censé enseigner sur ma peau, mais vraiment. Vous devez être sensible à la direction. Dieu va vous guider d'heure en heure. Tu restes comme ça là. Tu te sens un peu mal à l'aise. Parce qu'il y a un agent qui est en train d'arriver. Tu vas sentir le méconfort. Et parfois quand c'est en train d'arriver, quelqu'un quelque part est en train de vouloir intercepter. Parce que vos décepticons vous check. Je sais que vous ne croyez pas. Je sais que mes décepticons sont abonnés. Quand je fais tous les directs, mes décepticons sont dans mes directs. Il me check. Il m'observe. Quand il se lève le matin, je mets une photo, il voit. Je mets un statut, il voit. Je sais que vous m'observez. Vous devez être conscient. C'est pour ça que vous êtes leur star. Vous avez suivi, non? Voilà.
Donc, vous devez comprendre qu'il y a les gens qui vous checkent chaque jour. Miroir, miroir, est-ce qu'elle va voir l'argent aujourd'hui? Oh, il y a l'argent qui va venir comme ça, d'accord, bloquons ça. Je vous dis. Maintenant, quand tu es conscient qu'il y a les bénédictions qui sont en train de venir sur toi au jour le jour, tu vas prendre tes dispositions. Écoute l'Esprit de Dieu. Il dit, Deutéronome 8, au verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. » Ça veut dire que il y a les choses que tes parents ne connaissaient pas. Moi, par exemple, la Bible, ma mère ne m'a jamais montré comment on lit la Bible. Je n'ai jamais vu ma mère lire la Bible. Mais voilà ça que moi, je lis la Bible. Parfois, elle lit la Bible, elle me parle à travers cette Bible que je lis. De la même façon que le Saint-Esprit me parle à travers. Voilà. Donc, des choses que tes ancêtres ne connaissaient pas. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, l'Éternel est où? Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Donc quand tu finis de lire, tu finis de prier, tu te lèves, tu sors, tu marches, tu vas te faire ta journée là. Tu marches avec l'Éternel dans toi. Matthieu chapitre 28. Je ne vous laisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est dans toi. Jésus a dit, le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Donc, Deutéronome 8, j'étais en train de lire. Maintenant, je suis au verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Certains d'entre vous, vous avez traversé des périodes très difficiles. Parce qu'il fallait que vous appreniez tous les principes. Donc, je vais interrompre ceci. Je vais aller à Josué. Josué chapitre 1. Ça a un rapport avec ce que je suis en train de vous la dire. Josué chapitre 1. Et le Seigneur me dit de dire à certains de vous que la raison pour laquelle vous avez l'impression qu'il vous avait abandonné, c'est parce que, verset 8, Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vos paroles ne correspondaient pas avec ce que la parole dit de vous. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Vos pensées, médite-le jour et nuit. Vos pensées aussi n'étaient pas accordées avec ce que vous demandez à Dieu. Médite-le jour et nuit pour agir et vos actions ne correspondaient pas. C'est pour ça que vous étiez longtemps dans le désert. Maintenant, vous allez apprendre. Vous allez apprendre qu'il pleuve, qu'il neige, que j'ai l'argent ou que je n'ai pas, que je sois menacé ou pas, ce qui sortira de ma bouche, ce que je penserai et ce que je vais faire, ça va toujours s'accorder avec ce que le Seigneur à l'intérieur de moi m'a dit. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors, quand tu vas arriver à cette maîtrise, Stéphanie, écris les versets que j'ai dit. Je suis au verset 8 de Josué 1. Ne viens pas ajouter les versets. Voilà. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous avez fait beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais, tu fais, tu fais. Maintenant, le Seigneur te dit, tu étais à l'école. C'est pour ça que souvent vous restez, quand je regarde bien ma vie, j'ai passé au moins 8 ans à chercher. Je fais, je teste. Je dis, mais Seigneur, je paye la dîme. Je fais les offrandes. J'évangélise. J'enseigne. Je fais ceci. Je donne aux orphelins. Je fais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il manquait un petit principe que tu n'avais pas ajouté. Après un moment, quand tu rassembles tout ça, mais il met la foi. Il dit que toi-même, tu ne croyais pas que tu pouvais prospérer. C'était parmi vous, vous faites tout ça, mais vous ne croyez pas. Vous ne pensez pas. Et comme tu ne crois pas, tu n'agis pas. Tu te comportes toujours comme il te dit que arrête maintenant. Arrête maintenant dans le boulot là. Ah, je vais arrêter le boulot, je vais partir où? À Godouan. Ah, à Godouan là. Tu commences à ta pensée. Alors que tu payes ta dîme fidèlement depuis 6 ans. Alors que tu as les idées qui viennent à ta tête depuis. Tu as les gens qui te disent tous les jours. Ma chérie, ouais, apporte-moi tes services, non? Ouais, j'ai besoin, tu es une bonne conseillère, viens souvent dans mon entreprise une fois par semaine pour faire du conseil. Je te dis, quitte ton boulot là, lance ton cabinet de conseil. Tu fais comme ça, tu fais le feigne. Et il dit, c'est alors que tu réussiras. Donc, il y a des règles spirituelles que vous devez apprendre.
Et tant que vous ne les apprenez pas, vous serez toujours en arrière. Je reviens à Deutéronome. Il dit, reconnais en ton cœur, Deutéronome 8, verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Verset 6, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher. Les commandements qu'on te donne, le problème de certains chrétiens, c'est que vous n'êtes pas disciplinés. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens ne paient même pas la dîme? Raison, ah non, je pensais que c'est quand je vais avoir le boulot. Je pensais que c'est quand je vais avoir l'argent. Tu manges quoi chaque jour? Tu manges quoi chaque jour? Même si tu dors dans le canapé de quelqu'un, le matin la personne te donne 1000 francs, paie la dîme des 1000 francs là. Les plus chiches, ce sont les chrétiens. Oh Seigneur, Seigneur, c'est pour ça que tu as toujours les miettes. Les chrétiens sont très durs, hein? Stingy. Stingy. Tu fais ton lavage au sel. Tu brûles les encens chez toi. Tu pas fais l'offrande à l'eau. Tu fais tout ça. Tu ne payes pas la dîme. Tu ne fais pas les offrandes. Écoutez, je te vous demande, quand je m'appelle, quand je grandissais spirituellement, je disais toujours à Dieu, je suis sûr qu'il y a une dimension où tu sais que si je fais A plus B plus C plus D, ça va me donner le résultat de la prospérité. Je sais que j'aurai la... J'ai demandé à Dieu que donne-moi les secrets de la prospérité qui vont faire que je rende n'importe qui vient à moi, que je débloque ses finances. Et dans le problème avec vous, c'est que beaucoup d'entre vous, vous n'obéissez pas. Sur certains d'entre vous, il y a les embargos, vous avez les poids sur vous. Vous avez les fardeaux. On a dit que tu ne vas jamais dépasser le seuil. Donc ta mère est arrivée là. Elle est arrivée à ce seuil-là, le plafond-là. Elle est calée là-bas. Ton père est arrivé, il est calé. Ton grand-père est arrivé, il est calé. Toi, tu arrives là-bas. C'est là-bas que tu es maintenant. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Dieu t'enseigne. Il enseigne. Il enseigne. Tu comprends. Tu fais pendant un mois, après tu laisses. Tu fais pendant un mois, après tu laisses. Il fait pendant un mois, après tu laisses. Tu fais un peu, tu laisses. Même le travail spirituel, après tout lavage et tout travail spirituel, tu dois faire le salaka. Tu dois sortir, tu donnes quelque chose à quelqu'un. Ce sont des principes spirituels, ce n'est pas moi qui ai inventé. Même Salomon, allez lire comment Salomon donnait. Allez voir le nombre de sacrifices, le nombre de taureaux, le nombre de buffles, le nombre de bœufs qui tuaient. Il y en a parmi vous, n'avez jamais tué un animal. Mais j'avais donné la dîme. Ah, qu'est-ce que j'ai? N'est pas. Hein? Tu peux pas faire le visa. Tu peux pas aller prêter l'argent. Tu cotises l'argent. Tu fais tout. Tu ne payes pas ta dîme. Hein? Tu arrives, tu déposes. Ça fait un an que tu attends. Le monsieur même qui a pris là, il a pris ton argent, il est parti avec. Le monsieur, ton négociateur là, il a porté tes 1 million, il est parti avec. Il dit, paye ta dîme, ça va enlever les pertes sur ta vie. Est-ce que j'ai? Est-ce que moi j'ai? Moi, il n'est pas. Il n'est pas. N'ayez pas, vous avez compris. Vous allez lire sur le calendrier des Chinois. Deutéronome 8. Je suis au verset 7. Verset 6, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Dieu n'en a rien à foutre de vos déclarations. Dieu n'en a rien à foutre de ce que vous dites que vous avez ou que vous voulez. De vos prières. Quand tu finis de prier, est-ce que tu te lèves, tu pars, tu fais? Est-ce que tu agis? Parce que si tu n'agis pas, tu n'auras pas. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Ça veut dire que quand Dieu donne l'abondance, là, c'est partout. Dans les montagnes, partout, tu te tournes comme ça là. Tu fais dans tout. Abraham, Genèse chapitre 13. Dans le chapitre 12, Abraham a obéi. Bonjour la reine Zibi. Abraham a obéi, il a quitté son père et sa mère, il est parti. Dans le chapitre 13, voilà ce qui se passe dans la vie d'Abraham. Abraham, chapitre Genèse 13, ok? Versets 1 et 2. Abraham remonta d'Égypte
vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait, Lot et lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Troupeaux, argent, or. Ça veut dire qu'Abraham faisait dans tout. Et quand vous comprenez, vous progressez, son fils Isaac, Genèse chapitre 26, comment vous pensez que les gens-là ne s'aimaient pas là? Genèse 26. Il a eu une famine dans le pays. Verset 1. Genèse 26, verset 1. Mais donnez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Merci pour vos cœurs. Merci. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu le temps d'Abraham. Abraham a prospéré dans la famine. Abraham a prospéré dans la famine. Son fils est en train de prendre sa vie en main. Vous savez comment Dieu le teste? Il le met dans la famine. Votre famine là, hein, c'est là pour que vous puissiez tester. Donc Dieu a de vous tester pour voir si vous allez comprendre comment le royaume des cieux fonctionne. Moi, j'ai commencé à prospérer quand le corona a commencé. C'est quand le corona a commencé. Je crois qu'il y a une dame là-bas. Non, pas là, je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui sont sur TikTok. Je fais les lavages ce matin normalement, donc. On est en train de préparer le lavage. Merci pour le like, Rose Vanny. Ça, c'est TikTok. Elle est entrée. Okay. Merci. Abraham avait sa part de famine. Et dans la famine, Dieu lui a dit, monte-tu pas dans tel endroit. Genèse 13, regardez bien. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme. Parce que quand il a commencé, la famine a commencé. Parce que quand il a commencé, la famine a aussi commencé. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Genèse chapitre 12. Allez au verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Vous allez voir au verset 13, il y a toujours la famine. Mais la Bible dit que Abraham était riche. Donc dans la famine, il arrive chez le pharaon. Le pharaon se trompe, il voit sa femme, il la veut. Il prend Sarah. Dans la nuit, Dieu vient prévenir le pharaon que donne, libère-moi la femme de quelqu'un. Il libère sa femme en libérant, il dit que pardon, prends l'argent, prends l'eau, pas. Dans la famine, on lui a donné l'argent. Genèse 26, son fils, commence sa part. Il y eut une famine, Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guéra. Donc il partait chercher un roi qui allait l'aider. Le Seigneur apparaît, il lui dit ceci. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Quand vous fonctionnez avec Dieu, vous devez être sensible. Tu arrives dans un pays, on dit, le business, le Gabon est fini. Il n'y a plus l'argent au Gabon. Dieu te dit, porte tes choses, tu peux t'installer au Gabon. Écoute, ton conseiller, c'est le Seigneur. Ton conseiller, c'est le Seigneur. Tu n'en as rien à foutre de ce que les autres pensent. Porte tes choses, tu pars là où il t'a dit de partir. Pas faire ce qu'il t'a dit de faire. Il va se charger du reste. Votre problème, c'est le manque d'action. Merci pour les cœurs. Pompez les cœurs encore. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Maintenant, voyez ce qui se passait. Le Seigneur lui dit dans le verset 3, séjourne dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel.
Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Toi aussi, je te parle. Je vais voir si tu vas m'obéir. Et qu'il a observé mes ordres et mes commandements, mes statuts et mes lois. Écoutez, vous voyez que le fait qu'Abraham partait sacrifier, là, il partait sacrifier, qu'est-ce qu'il lui avait dit? C'est Dieu qui lui avait dit, va sacrifier. Il avait les ordonnances, il avait les lois que Dieu lui avait données. Et il a appris ça à son fils. Bonjour la reine Kouam, la reine Kouam depuis Lomé. Bonjour la reine Léa. Votre problème, c'est que vous commencez à vous arrêter en route. Pour suivre Dieu, il y a un coup d'action que tu vas prendre. Tu vas changer tes actes. Tes pensées changent. Tes actes changent. Ce qu'il vous dit là, ça va sauver votre argent. Dieu te dit depuis 3 jours que donne l'argent à tel. Tu vois ta soeur là, non. Paye son loyer. Tu feignes sur le lit comme ça là. Tu feignes. À 3 heures, fais le virement à la fille là. Tu vas voir à 6 heures. Ton application à la banque que tu avais fait depuis 6 mois là, on va te répondre. On va te donner. Et Isaac resta. Je pense que le verset le plus important de ce chapitre. Genèse 26, verset 6. Et Isaac resta à Guérar, comme le Seigneur lui avait dit. Votre problème, c'est le manque d'obéissance. Vous n'obéissez pas. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, bon, il a aussi commencé à mentir. Il a dit que c'est pas sa femme, que c'est sa soeur. On va aller au verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année. Écrivez-moi cette année. Tout le monde dit cette année. Vous voyez ce que la Bible dit, hein? Parce que quand vous allez semer votre dîme aujourd'hui, donc même si vous m'écoutez ça, tu ne connaissais pas la dîme. Tu écoutes et tu dis waouh. Prends le verset 6, Genèse 26, tu prends le verset 12. Que comme je sème maintenant là, 12 et 13, tu mets ton nom. Hein. Bon, pour ceux qui m'écoutent, qui ne connaissaient pas la dîme avant, ou bien qui n'ont pas payé la dîme depuis longtemps, en avant votre dîme, tu prends ton cahier, tu écris. Moi, Léa Potier, supposons, je sème ma dîme. Et je déclare, Seigneur, que comme je sème dans ce ministère, si c'est chez moi que vous sèmez, comme je sème dans le ministère de la reine Jocelyne, je recueille cette année le centuple, car tu me bénis. C'est ce que la Bible dit. Hein? Et je déclare maintenant que je deviens riche et je vais m'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce que je devienne fort riche. Écrivez fort riche. Fort riche, ou c'est fort riche, c'est fort riche. C'est ce qu'il y a riche, tout ça. Vous avez les dimensions de richesse. J'ai envie de sauter. Pour moi, c'est comme une révélation. Le Seigneur te dit qu'il vous fait passer dans une autre dimension de richesse. Je vois quelqu'un carrément, tu pensais que tu avais l'argent parce que tu étais confortable. Maintenant, le Seigneur te fait passer une autre dimension. Le genre de dimension, quand c'est fort riche, ça veut dire que tu n'as plus de moment de faiblesse. Tu as toujours, tu fais comme le domino, tu pousses les pions, tu fais comme ça là. On pousse aussi dans le compte qui est là-bas, on pousse. Le compte qui est là-bas, on pousse. Le compte de Suisse, le compte d'Angleterre, le compte PayPal, le compte de d'Iboville, le compte de Lomé. Il y a riche, il y a fort riche. Il dit, cet homme devint riche et alla. Donc il allait seulement. Il devenait... Vous ne pouvez pas comprendre. Moi-même, je reçois ma part. Seigneur, je reçois ma part. Je reçois. Jusqu'à ce qu'il devint. Regardez. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Écoutez bien. Hein? On parle maintenant de ses business. Aïe, j'ai envie de sauter aujourd'hui. Il y a l'onction de l'argent ici aujourd'hui. Recevez pour vous, recevez. Merci Seigneur. Écoutez, il avait les troupeaux. C'était parmi vous allez lancer vos poulaillers, vous allez lancer vos porcheries, vous allez lancer les élevages, vous allez lancer l'agriculture. Écoutez bien.
Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Il y en a parmi vous, vous avez eu peur d'embaucher. Je prophétise que dans le mois qui vient, les quatre semaines qui arrivent là, votre staff va augmenter de 50%. Pour certains, ça va doubler carrément. Et quand ça va doubler, ça veut dire que vous allez créer des emplois, vous allez créer de l'argent. Certains parmi vous aviez peur de créer des postes dans votre entreprise. J'ouvre maintenant, je dépose sur vous l'approbation, le cachet pour faire ça aujourd'hui. Au nom de Jésus. Certains amis d'entre vous allez commencer à faire dans tout. Moi, j'ai quelqu'un dit qu'elle fait dans tout là. Vous allez faire 5 réunions. Vous allez faire 5 réunions. Et ce n'est pas les réunions qu'on cotise 20 000 le mois. Hein. 1 million, 2 millions, 3 millions le mois. Déjà que tu portes comme ça, tu portes même 100 millions. Oui, je prophétise ça sur vous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Donc, comptons ces business. Hein. Il avait les troupeaux, ok, de menu bétail, de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Bon, il y avait les Decepticons. Hein. Ça, c'est Genèse 26, verset 15. Aussi, les Philistins lui portaient envie. On sait que les... Écoutez, hein. Ah. Oh, ma tante est jalouse. Oh, j'ai peur qu'ils voient ma richesse. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Toussi. Vous allez prospérer devant eux. Allez dans le psaume 30, le psaume 23. Vous savez que vous avez souvent peur d'avoir l'argent. Je vous libère aujourd'hui. Je libère votre tête là. Agoko. Ça va entrer. Le psaume 23. Mince, je me suis réservé avec l'onction de l'argent sur moi. Je bénis les dîmes que vous allez envoyer aujourd'hui. Je mets l'onction d'accélération sur ces dîmes de multiplication. Regardez le psaume 23. Verset 5. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc tu es assis, ils sont là. Tu sais qu'ils sont là et ils savent que tu sais qu'ils sont là. Je sais que vous savez que je sais que vous m'observez. Il m'en fout de ça. Apprenez à prospérer. Quand moi j'ai compris que je devais prospérer en face de mes ennemis, je n'ai plus eu peur. Je n'ai plus peur. C'est fini. Je n'ai plus peur. Que tu es qui? As-tu un ennemi? Oh, assois-toi s'il te plaît. Va dans la salle d'attente. Fais partie de mon spectacle. Je vais mettre un écran géant dans la salle d'attente de mes Decepticons là. Heureusement, voir l'écran. Hey! Oui. Habituez-vous à vos ennemis. Je reviens à Genèse chapitre. L'enseignement, si c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Je sois seulement ton agent. Mais... la reine Colette. Un goko. Verset 14. Les Philistins lui portaient envie. La Bible continue. Hein. Donc la Bible, ce qui me plaît dans la Bible, c'est que ça mentionne vos situations. Mais vous ne connaissez pas comment répondre. La Bible mentionne vos situations. Ils avaient les Decepticons dans la Bible. Ils avaient les ennemis. Vous n'êtes pas les seuls. Bonjour TikTok. On continue. Donc dit, ben, les Philistins lui portaient envie. Oui, 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 ils sont là. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père. Je ne sais pas pourquoi on précise deux fois. C'est sûrement important. Les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Donc, on connaît que, ok, son père avait creusé les puits. Les puits, là, ça donnait l'âme. D'accord. Maintenant, on va venir fermer ça. On va venir fermer. Ils viennent combler. Vos Decepticons. Regardez ce qu'il a fait. Regardez. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Tu es beaucoup plus puissant que nous. Vos ennemis connaissent. Vos ennemis connaissent votre puissance. Pour moi, ça c'est la révélation.
Vos ennemis connaissent votre puissance. Mais vous, vous ne connaissez pas. C'est dommage. Merci pour les cœurs. Je vous ai dit que le direct, là, ça allait ouvrir l'esprit de quelqu'un. Même moi-même, ça a été de m'enseigner. Souvent, tu peux te retrouver submergé par les problèmes. Tu envoies même. J'ai une là, elle a envoyé sa dîme, c'est calé dans l'air. Depuis 6 jours, ça arrive, sa dîme n'arrive pas. Elle a 1000 euros. 1000 euros, c'est en l'air. C'est que Western Union, c'est Express Union, c'est dans l'air. Elle appelle, on dit que c'est arrivé. Chez moi, ce n'est pas arrivé. De son côté, ce n'est plus là. L'agent se disait qu'il ne trouve pas. Il dit que ma chérie, ils ont menti. Ils ont menti. Cette femme peut te faire, elle peut te faire la dîme de 1000 euros par semaine. 1000 euros. Vous allez vous dormir. Vous ne vous connaissez pas. Imagine le roi d'un pays vient te dire que Jocelyne. Il doit te parler. Vraiment, nous te remercions d'être venu. Vraiment. Mais merci pour les partages. Merci aussi pour les likes. Il dit, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Tu, toi, une personne, tu es plus puissant que nous rassemblés. Écoutez, hein, l'affaire de choisir, c'est là, c'est pas la blague. Hein. C'est pas la blague. C'est pas, oh non, je suis choisi. Tu peux t'asseoir, tu fais 50 000 de moins. Je suis choisi. Même ton patron connaît. Tu fais quoi depuis là-bas? C'est toi qui connais. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on creusait du temps. Des puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père. Il y a certaines de vos choses que vous allez repartir prendre à nouveau. C'est un terrain que vos pères avaient laissé, que les gens s'étaient accaparés. Écoutez, ça fait 15 ans, non? Tu étais faible. Tu croyais que oh, ils ont fait la sorcellerie, ils ont pris. Je te donne le feu vert pour que tu te lèves sur ça maintenant. C'est moi. Écoutez, hein, comme je porte ma casquette de prophète, voilà, ça là. Je connais ce que je suis là pour vous donner. Lève-toi, tu repars chercher les choses de ta mère qu'on avait pris. Repars chercher. C'est elle qui te dit de le faire. De tout si ça va passer, tu vas voir. Prends ton arbre de paix. Vous devez avoir l'arbre de paix chez vous, hein, s'il vous plaît. Plantez ça dans votre cour. Ou bien, et même dans un petit vase dans votre salon. Ou dans votre chambre. Et là, il dit, Genèse 26, on est au verset 18. Il creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Certains d'entre vous, vos parents avaient des grandes entreprises. Le frère et soeur de vos pères là ont pris ça. I'm coming for you. Tout ce qu'on avait volé à vos parents, vous allez revenir chercher. Vous allez partir récupérer ça. Je vous dis. Dites-leur. Écrivez là-bas, I'm coming for you. Merci pour les cœurs. Bonjour, bonjour à TikTok. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Mais bonjour aux nouveaux abonnés. Il y a des jours, j'enseigne sur les produits spirituels. Il y a des jours, j'enseigne sur le mindset. Aujourd'hui, là, c'est seulement le mindset de l'argent. J'enseigne avec la parole. Et là, il dit, verset 19, les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Donc, Isaac a dû entreprendre. Tu te dis sûrement que mon père a fait dans ça, ça n'a pas marché. Comment est-ce qu'il croit que ça va donner? Il n'a pas fait encore dans la même chose que son père faisait. Il creuse pour son père, il creuse encore les nouveaux puits même. Il demande encore les nouveaux sur ça. Les nouveaux. Les bergers de Guérard te relaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au nom le nom d'Ézec. Parce qu'il était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits. Donc, certaines personnes vont venir vouloir, oh, tu as créé l'entreprise ici, là, c'est moi qui t'avais donné l'idée. Tu prends la maison d'un bailleur, tu arranges. Quand tu commences à louer, il voit, oh, donne-moi ma maison. Laisse-tu pas, tu vas trouver d'autres ailleurs. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Le Seigneur me dit de vous dire que pour certains d'entre vous, c'est peut-être mon quatrième business qu'on va te laisser tranquille.
Tu fais le premier, wow, deuxième, wow, troisième, wow, continue. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Oh, Shandarabasoka. Verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel. Il invoqua le nom de l'Éternel et il y dressa sa tente. Les autels sont dans la Bible. Les serviteurs d'Isaac, ils creusaient un puits. Ils passaient son temps avec les puits maintenant. Hein. Il arrive quelque part. Creusez-moi le puits là-bas. Voilà, prophétie. La saison est en train d'arriver où vous allez vous lever le matin, vous allez créer une entreprise en une journée. Vous allez ouvrir un magasin en une journée. Des choses que ça vous prenait 6 mois, 1 an avant. Vous allez faire ça en une journée. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. On dit amen, je reçois. Regardez, il continue en ligne. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec son ami, deux de ses amis. Et Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Vos décepticons vont venir vers vous à un moment. Hein? Pourquoi venez vers moi? Puisque vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Ouais, Seigneur. Seigneur, ouvre l'esprit de tes enfants pour qu'ils comprennent qui ils sont. Tes ennemis viennent te dire. Ils viennent te dire. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi. Et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Vous m'avez détesté, maintenant vous venez me demander de ne pas vous faire du mal. Hein? C'est ce qu'on appelle dominion. Tu as bloqué la porte. Pour les ouvrir, non, la déjà arrive. C'est ce qu'on appelle dominion. C'est ce qu'on appelle dominion. Et eux-mêmes ils disent que tu es béni, maintenant béni de l'Éternel. Bon, Isaac leur fit un festin, il a fait le salaka. Ils ont mangé, ils ont bu. Et ils se sont levés, ils sont rentrés. Et après, bon, vous allez voir que Isaac va peut-être prospérer après. Donc, TikTok, comment vous allez? Tu cherches le travail. Tu as mal à la tête, Daniel. Écoutez, hein. Et maintenant, vous montrez le secret de la prière. Parce que malheureusement, beaucoup de... Merci pour les partages. Qui connaît comment on change le l'angle de la caméra sur TikTok? Je n'ai aucune idée. Ah, j'ai trouvé. Super. Oh my God, j'ai trouvé. J'ai trouvé TikTok. Vraiment, TikTok, j'apprends à vous gérer. Vous allez me pardonner. J'apprends à vous gérer. Je vais vous montrer maintenant comment prier, ok? Pour prier, la première chose, ne vous ramenez pas dans la prière sans rien à offrir. Ne faites pas cette erreur. Mon vœu, la reine Sarah, ne faites pas cette erreur. Parce que beaucoup d'entre vous, vous demandez les choses, mais vous n'avez pas. Tu viens savoir, oh Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez d'être bête, je vous en prie. Arrêtez. Vous avez suivi. On ne vient pas à Dieu sans rien en main. Allez lire dans 1 Samuel. La mère de Samuel, quand Anne partait, son mari faisait des offrandes. Chaque année, ils avaient une période où partait, fait plein d'offrandes à Silo avant de descendre. Et c'est là-bas qu'ils demandaient les choses pour l'année. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Les chrétiens, je ne sais pas comment, viens ici. Et que tu parles au supermarché avec une liste.
Tu sors du supermarché avec les choses dans ta main que tu n'as pas donné l'argent à l'homme là. Et vous-même, est-ce que c'est possible? Merci pour les likes. Et je pense que c'est ça qui fait la religion en fait. La religion et la spiritualité ne sont pas la même chose. La religion veut que tu sois. Voilà, pasteur, regarde-moi. Je suis venu de nettoyer l'église. Yeah. Pasteur, regarde-moi, je suis venu à 8h00. Yourself, girl. Tu as déjà ta récompense, comme le pasteur t'a vu. Tu as déjà ta récompense. Quand tu viens pour prier, tu dois avoir les versets. Tu dois t'appuyer sur un exemple, sur une parole. Je vous ai donné les paroles. Si c'est la dîme que vous payez, Malachie 3, versets 10, 11 et 12. Je vous ai donné aussi Deutéronome. J'ai donné un passage tout à l'heure. Genèse 26, versets 12 et 13. Voilà. Là, on dit qu'il devint fort riche. Seigneur, je viens semer. Quand vous semez, que ce soit un don que tu fais à ta mère, à l'orphelinat, que tu sois en train de payer ta dîme à ton pasteur, que tu sois en train de faire d'obéir à une instruction que tu as reçue dans la nuit, quand tu sors cet argent, quand tu sors une substance de toi, que ce soit financier ou encore en nature, en sortant cela de toi, émets un vœu. Comme je donne comme ça, je reçois 10 fois plus. Comme je donne, je reçois en abondance. Comme je donne, ça me revient sous cette forme. Je vous ai dit tout à l'heure au début que si on peut payer tout, tout s'achète. Si tu es noir, tu fais le jansan, tu peux devenir brune. On te met en prison, tu payes la caution, tu sors. Merci pour les roses, Cléopas. J'ai pu finalement, j'ai trouvé. Tu veux l'habillement, les habits, tu pars, tu veux la maison. Écoutez, si vous voulez la maison aujourd'hui là, tu veux acheter l'immeuble, tu as 500 millions. Tu vas trouver l'immeuble que tu vas acheter aujourd'hui. La table. Si tu peux tout avoir avec l'argent dans le physique, comment est-ce que le spirituel n'est pas la même chose? Seigneur, je veux me marier. Tu n'as jamais fait une offrande, tu n'as jamais fait un sacrifice, tu n'as jamais sorti quelque chose de toi. Que Seigneur, en échange de l'enfant que je te demande tous les jours, je viens faire une offrande sacrée, on appelle sacrificial offering. Je viens faire ce sacrifice, Seigneur. Seigneur, voilà pour mon business, pour que ça marche, Seigneur. Je t'apporte ce sacrifice, je dépose, Père Saint. Ouvre-moi le marché du Gabon. Ouvre-moi le marché du Cameroun. Parce que vous venez toujours avec la bouche pour demander. Sans rien d'autre. Généralement, quand tu peux. Voilà comment les transactions financières se passent dans le physique. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une bouteille de whisky, s'il vous plaît? Ce sera 10 euros. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton argent, tu retires. Si en retirant l'argent, on te demande, c'est l'argent de quoi? C'est l'argent de whisky que je donne. Si dans le physique, vous nommez l'argent que vous sortez de votre poche, pourquoi vous ne nommez pas dans le spirituel? J'espère que c'est une révélation pour quelqu'un en dedans de vous. J'espère que ça va casser un mythe que tu avais dans la tête. Seigneur, stabilise mon mariage. Seigneur, libère-moi de l'alcoolisme que j'ai. Ah. Hey, maman, tu passes sur Amazon, tu cherches ce que tu veux. Oh, je veux ça. Oh, je veux ça. Oh, je veux un téléphone. Oh, je veux ça. Oh, je veux. Oh là là là, oui, je veux le vêtement là. Oh, je veux le tout pour ton tondeuse à gazon. Tu as nommé ce que tu veux. Dame fond, pose ta question. Tu as dit ce que tu veux à la fin. Pourquoi le change se fasse, le trade? Qu'est-ce que l'esprit te dit? Qu'est-ce qu'Amazon te dit? J'ai même l'esprit. Qu'est-ce qu'Amazon te dit? Check out. $390. Qu'est-ce que tu fais?
prends tes détails bancaires, tu déposes sur le site. Ils font quoi? Ils viennent dans ta substance, ils tirent ton argent. Tu as nommé l'argent que tu as dépensé. Tu as appelé ça chaise. 3 jours plus tard, tu vois la chaise apparaître devant toi. Tu as nommé ça table. 4 jours plus tard, ou bien le lendemain, tu vois la table apparaître à ta porte. Il n'y a pas de hasard dans le spirituel. Tout ce que nous avons comme système ici, ça commence dans le spirituel. Quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'aucun sorcier ne peut aller bloquer mon argent. Tu crois que si tu te lèves aujourd'hui, tu vas aller à la boutique acheter le pain, on va t'empêcher. Pourquoi? J'ai l'argent. La boutique est là. Je connais là où la boutique est. Je connais moins 5 boutiques dans mon quartier. Je me lève, je marche, je pars et dis, donnez-moi. Je pose ma commande, donnez-moi le pain. Je sors l'argent, je donne. Oh, je suis sûr à 100% que j'aurai le pain dans ma main. Je suis sûr à 100% que j'aurai le pain dans ma main. Voilà ce qui vous bloque. Écoutez-moi bien. Si tu restes, tes finances sont bloquées. Soit tu donnes, tu ne nommes pas. Soit tu donnes, soit tu ne donnes même pas. Depuis là. Soit tu as beaucoup donné, tu n'as jamais nommé. Ce qui fait que tu as beaucoup de réserves. Tu peux même faire le backdate. Que j'ai fait les virements dans le compte, dans votre compte depuis. J'ai au moins 15 000 dollars là-bas que je n'ai pas encore placé de commande sur ça. S'il te plaît, assure-toi que chacune d'entre elles a ses désirs qu'elle a écrit sur le papier. Demande-leur, précise bien. Tu leur donnes le format. Tu as déjà donné, ou bien? Tu leur donnes le format. Elles doivent écrire. Et il ne faut pas bavarder. Il ne faut pas les bavardages dans leur salle. Là. Mesdames, pas de bavardage, s'il vous plaît. Donc, nous allons prendre un autre passage biblique. Deutéronome 28, verset 2. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Merci pour les cœurs. Lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu, lorsque tu vas obéir à la voix de ton Dieu qui est ici à l'intérieur, Isaïe 48, verset 17. La prospérité a les règles. Isaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ça veut dire que Dieu va toujours te montrer un chemin. Un chemin. Et quand il montre, c'est pour que tu ailles obéir. Il y a des moments où Dieu va te dire, vide l'argent qu'il y a dans tes poches. Et quand tu sors de l'argent, vous savez, financièrement, physiquement, quand tu fais le dépôt dans le compte de quelqu'un, à partir de ton dépôt, il peut retracer ton nom, tes détails. Quand on te connecte sur un serveur, on peut trouver ton adresse IP. Ils peuvent faire le back-back. Quand tu déposes spirituellement dans le compte de quelqu'un, tu fais une offrande dans un ministère. L'onction qui est dans ce ministère-là peut retourner ça. Donc, c'est comme si tu ouvres le canal dans les deux sens. Ça retourne vers toi. Ça vient dire avec tes petits démons que tu as chez toi. Dame Fond, je n'enseigne pas sur les coutumes aujourd'hui. Vous allez voir que mes enseignements ce matin, c'est totalement basé sur la parole. Donc, tu veux faire, tu vois les coutumes qu'il faut pour l'ouverture. Donc, ça, je peux te... Écris-moi en inbox après. Mais là, j'enseigne vraiment sur la prospérité et sur la Bible. Donc, c'est parce que ta question est trop éloignée de ce que je dis. Si je veux te répondre, ça va trop me sortir du contexte. Ça, je ne veux pas. Donc, on va prendre 1 Samuel 22.
verset 2. Tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible ont dû comprendre qu'il y avait une notion de prospérité dans laquelle ils devaient taper. Et David avait ça sur lui. 1 Samuel 22, verset 2. On va commencer au verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et il descendit vers lui. Je rappelle que David était toujours dans le désert. Donc il avait reçu l'onction, mais l'onction n'était pas encore manifestée. Parce qu'il fallait, il y avait les principes que David devait apprendre. Si on lui donnait le royaume quand David avait reçu l'onction aussitôt, ça n'allait pas donner. Merci pour le partage, Claudel Donfa. Merci, merci beaucoup. Merci pour les cœurs que vous m'envoyez. Merci pour les partages. Il y a quelqu'un qui t'a dit, tu as fermé la porte. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi, se joignit à lui environ 400 hommes. Avant de tester le royaume que Dieu pouvait lui donner, Dieu lui a donné 400 personnes endettées. C'est pour ça que ça ne me dérange pas. Si tu me suis, tu es endetté, il y a la malédiction sur toi, peu importe ce qu'il y a sur toi. Écoute ce que je dis. Just follow. Just listen. Just do. Tu vas voir comment tes choses vont commencer à changer. Merci pour les cœurs, merci. Pompez les cœurs sur ma vidéo. Vous allez voir que il y en a parmi vous. Tu es là, il y a l'esprit d'endettement. Hein. Tu as une dette de 6 000 euros. Tu prends 3 ans pour payer. Le jour où tu payes le duc, bam, jusqu'on te dit, madame, merci, nous vous remercions d'avoir remboursé votre dette, gna 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 gna. Le lendemain, tu reçois une autre lettre. Oui, madame, la CAF vous informe que vous avez trop, on vous a fait un surpaiement. On vous a trop payé pendant la période de 6 mois. Vous nous devez 15 000 euros. Ma chérie, tu es victime de l'esprit d'endettement. Je t'ai dit. Tu prends dans la réunion de Mahamakta pour aller remettre dans la réunion de Père Joseph. Tu prends dans la réunion de Père Joseph pour aller remettre dans la réunion de Mamira. Tu es sans cesse en train de tout. Tu jongles seulement. Tu as l'esprit d'endettement sur toi. Oui. Et ça peut changer. Et vous savez, la prospérité, ce n'est que une pensée. Il suffit que tu restes en salle, tu vois, ah, je ne peux même pas, je ne peux avoir l'argent qu'une fois par mois. Mon patron me donne 2000 euros. Ouais, ma patronne me donne 300 000 francs le mois. 300 000 francs, c'est fois le mois. Tu peux au boulot, tu travailles. Il suffit juste que... Mais je peux recevoir l'argent tous les jours. Mais je peux recevoir de l'argent tous les jours. Directement, les clients qui avaient pris ton numéro depuis, qui te suivaient. Je te suis depuis 5 ans. Hein. Oui, je ne t'ai jamais contacté. Je ne sais même pas pourquoi. Chaque fois qu'elle voulait te contacter, j'oubliais. Oui, je vais te faire le transfert. J'envoie sur quel numéro. Ça fait 5 ans qu'elle te suit. Hein. En 5 ans, elle a eu l'idée de t'écrire au moins même 10 fois. Comment c'est par hasard que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Parce que ton esprit s'est ouvert, ta vision. En fait, donc, Dieu peut me donner... Pas seulement à travers mon boulot ou mon patron. Depuis le restant, ça pour rien, je reçois l'argent. Merci pour les cœurs, merci. Merci, Véry Fatal. Donc, je peux aussi recevoir pour rien. Hey, Jesus is love. Ah oui, j'ai pensé aussi à toi comme ça là. Prends même tes 500 000 là. Pour ça, toi-même, Dieu va te dire que va donner 500 000 à telle personne. Et quand tu sèmes, dis toujours, je reçois cet argent que je sème 100 fois plus, 10 fois plus. Donc maintenant, on va faire les je vais vous donner les formules pour les prières. Ok? Prière pour la dîme. Ok? Payez vos dîmes aujourd'hui. Si tu ne me connaissais pas la dîme, aujourd'hui, tu payes ta dîme. 10% de ce qu'il y a dans ton compte là. En payant ça, voilà ce que tu dis.
Malachie chapitre 3. Tu prends ton cahier, tu dois avoir le cahier de la dîme. Le cahier de la dîme. Dîme. Voilà. Le 15 avril 2022, j'ai payé la dîme 4 euros. J'ai demandé ça. Le 28 juin 2022, j'ai payé 200 euros. J'ai demandé ça. Première chose que vous allez remarquer, c'est que votre argent va augmenter. Quand vous allez commencer à payer régulièrement, faire les enseignements que vous enseignez, que vous donnez là. Bah, tu as commencé à ouvrir ton esprit pour recevoir de tous les côtés. Vous avez vu que Isaac faisait d'en dessous, Abraham faisait d'en dessous. Donc cette semence que vous allez faire aujourd'hui, ne simplifiez pas le montant, ça peut être 500 francs CFA. Tout enseignement, quand pour le sceller, tu le sais toujours avec une offrande. Écoutez-moi bien. Il y a parfois des gens que je suis, la personne est aux États-Unis, je ne connais pas du tout, hein. Mais ton enseignement me touche tellement. Ça, je sens qu'il a reçu quelque chose. Seigneur, je cherche ton PayPal. Tu envoies. Ok. Donc, Éternel des armées, voilà ce que vous écrivez dans le cahier. Je vais faire carrément. Pour les TikTok aussi. J'ai même beaucoup d'enseignements là-dessus sur mon TikTok. Attendez. Donc, il y a quelqu'un de TikTok qui peut vous voir. Il y a de Facebook. Je ne peux pas arrêter deux caméras. Ok. Donc. On va prendre dans Malachie. Je vais faire ça mot à mot. Je ne vais pas vous brusquer aujourd'hui. Donc, Malachie 3. Tu es en train de vouloir payer ta dîme. Te voilà, tu écris. Moi, tu mets ton nom. Tu écris ton nom. Ok, moi, c'est Jocelyne. J'apporte à la maison du Seigneur. J'apporte, il dit. Apporter à la maison du trésor. J'apporte à la maison. Je vais écrire ça avec vous. Donc vous avez les feuilles, vous écrivez aussi pour vous. J'apporte à la maison du trésor. Ma dîme. Vous écrivez la somme. Ok? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison, Seigneur. C'est ce que tu vas lire après. Hein. Tu vas lire ça, ton envoi. On ne sème pas au hasard. C'est un peu comme si tu semais, tu ne mets pas la barrière pour protéger ta nourriture. Tu ne mets pas l'insecticide pour protéger ta nourriture. C'est ce que je vais vous montrer, c'est très important. Dans ta maison. Je te mets de la sorte à l'épreuve, Seigneur. Tu écris, hein, je te mets de la sorte à l'épreuve, Seigneur. Là, on a dit d'écrire pour payer la dîme. Malachie 3, verset, je suis au verset 10. On met point. J'ouvre, écoutez, j'ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Je répands la bénédiction sur moi en abondance. Je menace tout dévoreur. C'est peut-être les créanciers qui te demandent de l'argent. Je menace et je chasse. Tout dévoreur sur mes finances. Sur ma maison, voiture, maintenant le verset 11 encore,
La Bible dit, il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Vous dites le nom de vos entreprises. Ce Geek Dig Academy portera des fruits. Porte des fruits aujourd'hui. Dis le chiffre d'affaires que tu vas avoir aujourd'hui. Porte des fruits avec un chiffre. Avec un chiffre. Oh my God, excusez-moi. Je rappelle que ceci, c'est pour payer la dîme. Avec un chiffre d'affaires de... Tu me mets dans le montant que tu veux journalièrement. Et mensuellement. Millions journaliers, 75 millions mensuellement ou bien 100 millions mensuellement, tu mets ce que tu veux, c'est ton, tu es libre de mettre ce que tu veux. Maintenant tu continues. Tu bénis aussi tes enfants. La vigne ne sera plus stérile, la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Tu déclares que tes clients, tu appelles tes clients. Si tu as les représentants ou bien si tu as les gens qui ont les succursales, tu dis que mes employés aujourd'hui, ils travaillent de façon correcte. Ils reçoivent bien mes clients. Donc tu déclares, tu peux appeler, tu peux bénir chacun de tes postes. Peut-être je bénis mon station de Bonaberry. Je bénis pour lui là-bas. Tu bénis, tu prononces le nom de l'endroit. Et toutes les nations diront que je suis heureuse. Merci pour les likes. Maintenant, pour continuer, on va aller à Deutéronome 28. Toujours pour écrire ce que tu désignes. Voilà Deutéronome 28. Deutéronome 28. Verset 1. On écrit donc. Parce que j'obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et j'observe et mets en pratique ses commandements. En payant ma dîme aujourd'hui, tu mets la date. Bonjour la reine Lisette. Je déclare que voici les bénédictions qui me prennent, qui me suivent. Je suis béni dans la ville de... Tu prononces les villes où tu as toutes tes entreprises. Je suis béni dans la ville de Douala, Libreville, Paris, Abidjan. Le fruit de mes entrailles, tu prononces le nom de tes enfants. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol. Écoutez, hein, quand les gens partent vous maudire, ils n'hésitent pas. Quand les gens partent vous bloquer, ils bloquent vos enfants, ils bloquent les enfants de vos enfants, ils bloquent vos entreprises, ils bloquent votre, même vos voitures, ils bloquent votre mariage. Donc c'est ici là que vous parlez. Déclare que le fruit de mes entrailles, en payant ta dîme, tu bénis tes enfants. Tu dis le nom de tes enfants, le nom de ton mari. Le fruit de mon sol, le nom de tes entreprises, le fruit de mon troupeau. Mes portées, si tu as la volaille que tu fais, tu as le champ que tu fais. Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. L'Éternel me donne la victoire aujourd'hui contre tout ennemi qui s'élève contre moi. Ils sortent par un chemin et ils s'enfuient par sept chemins différents. J'ordonne à la bénédiction d'être avec moi, verset 8, Deutéronome 28, verset 8. Je suis béni dans le pays que l'Éternel m'a donné. Je suis pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré à mes pères de me donner. Je déclare que tout le monde va voir que je suis béni de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis comblé de biens. Mes enfants sont multipliés. Mes entreprises sont multipliées. L'Éternel nous ouvre son bon trésor. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez la paresse. Mais vous devez comprendre que dans le spirituel, rien ne se fait seul. Vous comprenez, rien ne se fait seul. Il y a le travail sur ça. Pourquoi faire? Tu vas travailler. Quand vous voyez le mal que les gens se donnent quand ils partent vous bloquer, vous comprenez que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire. Donc merci pour les likes et les partages. Donc quand tu finis maintenant, tu prends ton argent dans ton enveloppe. Ou bien si tu fais le virement, tu tiens le virement comme ça. Avant de cliquer sur envoyer, tu lis maintenant tout ça.
Moi, Jocelyne, j'apporte à la maison du trésor ma dîme, qui est de 250 000 francs CFA ou de 500 000, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Seigneur, je te mets ainsi de la sorte à l'épreuve. J'ouvre les écluses des cieux sur ma vie. S'il y a quelque chose qui te manque, tu veux te marier, je reçois mon mariage. Je reçois, si tu dis ce que tu reçois, je reçois des choses de longue date que vous attendiez. J'ouvre les écluses des cieux sur ma vie maintenant. Je répands la bénédiction sur moi d'abondance. Je déclare que partout mon visage va briller. Et en faisant ça, tu peux aussi prendre l'huile d'olive. Tu mets sur toi avec trois doigts. Tu fais trois croix. Un, deux, trois. Trois doigts. Prends l'huile d'olive. Tu prends trois fois la croix sur ton front. D'accord. Je répands la bénédiction sur moi d'abondance. Je menace et je chasse tout dévoreur sur mes finances. Tout employé qui vole mes finances, je déclare que vous êtes exposé aujourd'hui. Toute personne qui vient puiser dans les caisses de l'entreprise. Oui. Je déclare la protection sur ma maison. Je chasse tout mauvais esprit. Tout mauvais esprit qui est entré dans ma maison. Qui a élu de Messie chez moi. Tu peux même aller dans ta maison. Tu brandis ce que tu as payé ta dîme avec. Tu bénis l'eau. Tu verses ça au milieu de ton salon. Comme je paye ma dîme, je chasse tout mauvais esprit de ma maison. Seigneur, tu as dit que tu vas chasser le dévoreur de ma maison. C'est un contrat que tu fais avec Dieu. Tu finis maintenant, tu envoies. Si c'est le transfert Orange Money que tu vas faire, tu envoies. Quand tu envoies comme ça, tu as payé et tu attends maintenant ton service qui te soit livré. Le spirituel, ce n'est pas la blague. Merci pour le partage, Fatim. Bonjour, Fatim. Merci pour les likes. Pompez-moi les likes, s'il vous plaît. Vous allez voir que, je sais qu'il y en a parmi vous, vous êtes tellement dans les problèmes que vous n'osez pas. Même dire que tu vas écrire, un truc que tu ne veux pas écrire. Ce qui va te sortir de tes problèmes, c'est de savoir d'abord ce que tu veux. Donc, apprenez à rédiger vos désirs. Tu écris sur le papier. Tu dois avoir ton cahier de dîmes. Ton cahier. Offrande. Chaque fois que tu vas faire un don à l'orphelinat. Tu pries sur le don là jusqu'à les orphelins. Eux, même, ils vont l'accueillir. Tu venais pour faire le service religieux ou bien tu venais pour faire le don. Que Seigneur, comme je suis encore de nos orphelins, je déclare que je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas pour m'occuper de mes enfants. Seigneur, je déclare. Oh Seigneur, tu as dit que si tu. Oh, yeah. Quoi? Hein? Maman, j'ai les femmes que quand elles viennent chez moi, hein. La femme a payé sa dîme, elle prie encore sur ça, parce que tu as fini de manquer. Amen. Amen. Maman. Et quand elle prie comme ça, tu sens l'onction dans son corps qui la débloque ou qui le débloque. Je ne m'accorderai avec vous qu'avec le décret de votre foi. Et la Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Ce n'est pas selon ma force, c'est selon votre foi. Très important. Flora, tu as demandé à parler. Renvoie ta demande, Flora. Quand tu fais comme ça, tu sais qu'il y a tes enfants dans ta prière, ton mari, ton business, toutes tes activités. Tu es sûr que là où tu es là, ce que je fais là, je suis sûr. Tu fais, tu pars, tu sèmes, tu fais le transfert PayPal. Écoutez, hein, mettez Dieu à l'épreuve avec sa propre parole. Vous ne me testez pas ici, c'est Dieu que vous testez, c'est pas moi. Certains parmi vous remplissez, il y a toutes les conditions. Mais vous ne saviez pas l'autre ce que je viens d'enseigner aujourd'hui. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver sur TikTok. Quand ta dîme arrive encore le soir, si tu as payé la dîme le matin, à midi on te donne l'argent, tu envoies encore la dîme. En envoyant, tu reviens encore dans la page des dîmes, tu lis rapidement ce que tu as écrit le matin. Vous devez recevoir chaque jour. L'argent doit entrer dans votre poche chaque jour. L'argent, money must come every day. Si ça ne vient pas, paye encore. Et tout ce que Dieu te dit de faire, fais. Tu peux finir de payer ta dîme. Dieu te dit que envoie 50 000 à ta nièce là. Seigneur, je donne l'argent ici. Je libère cet argent parce que je crois que tu m'as demandé de me donner l'argent à ma nièce là.
Donc je libère comme ça, Seigneur, que ça l'aide, que ça lui permet de prospérer. Moi-même aussi, je reçois cet argent en retour, multiplié par 1000, au nom de Jésus. Voilà. Tu fais ça, tu envoies l'argent à ta nièce. Déclare que personne ne va travailler sur l'argent que je suis en train d'envoyer pour me faire du mal. Personne. Laura, les choses changent un peu dans ta vie. Non, c'est bien. C'est ce que tu connais qui va bouger, changer tes actes. Et quand tes actes changent, tu vas voir comment ta vie va commencer à changer. Donc, vous n'êtes pas bloqué. C'est seulement que vous êtes ignorant. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Et aussi, parfois, quand vous enseignez, on n'enseigne pas bien. Parfois, le pasteur vient dire, payez votre dîme. Tu payes la dîme. Tu apportes au pasteur, il fait. C'est bien ça, ma fille. On ne paye pas la dîme comme ça. C'est une alliance entre toi et le Seigneur. Le pasteur n'a rien à voir. Je te bénis, ma fille. Je te bénis. Parce qu'il voit comment il va aller toller sa maison. Il va aller toller sa maison avec l'argent que tu as donné. Non. Il y a même des gens à qui vous allez donner la dîme. Que ils ne vous connaissent pas personnellement. Comme moi, il y a des gens qui vous envoient la dîme, je ne vous connais pas. Mais vous envoyez la dîme chez moi. Parfois, même il y a même que vous envoyez, ça, c'est ma secrétaire qui voit. Je vous ai toujours dit que je bénis les dîmes qui rentrent chez moi. Je bénis. Bonjour. Bonjour. Je bénis vos dîmes. Voilà. Bon, maintenant, je déclare que l'enseignement que vous avez reçu aujourd'hui, vous n'allez pas le perdre. Je déclare que toute âme qui avait été forgée contre vous, tout blocage qui avait été sur vous, est enlevé. Je vais donner les numéros de mes représentants. Ton téléphone, s'il te plaît. Ton téléphone. Je vais donner les numéros pour nous contacter. On tourne dans cette porte-ci. Donne-moi, on ne peut pas ouvrir la porte. C'est qui? Donc voilà les numéros. Au Cameroun, 693 50 22 66. C'est aussi le Orange Money. Si le Orange Money est plein, vous faites un autre. 693 50 22 66. Il y a aussi 6 98 367 221. 6 98 367 221. Le nom, c'est Joséline. Joséline. Nyogem Joséline. Maintenant, le numéro pour MTN. 00237 680 71 0701. 680 71 0701. Maintenant, le numéro du Gabon. 00241 0741 80 080. 07 41 80 0 80. Ça, c'est pour le Gabon. Côte d'Ivoire, 00 225 08 27 53 94. Paris, 07 53 95 56 69. 07 53 95 56 69. Nantes, c'est toujours en France. 06 120 00 63 59. 0609, pardon, ça c'est Nantes, toujours en France. 0620 0063 59. Bruxelles, 0466 10 40 87. 0466 10 40 87. Ceux qui sont au Togo, ceux qui sont dans les autres pays, vous contactez un de ces numéros. Bonjour Nancy. Et il y aura les lavages aujourd'hui et on aura aussi les lavages lundi, lavage à distance. Merci pour la rose, Nancy. Bon, Nobre dit que depuis ma venue, ta vie a changé. Tu as encore besoin de mon aide. Je vous donne les enseignements selon ce que l'esprit me donne. Je vous donne.
Surtout, soyez guidés par l'Esprit de Dieu. Soyez sensibles à ce que l'Esprit vous dit de faire. Soyez très sensibles. Parce que parfois, je vous donne beaucoup de choses. Après, tu restes comme ça là. L'Esprit te dit, pendant 3 jours, fais le jeûne. Ou encore, j'ai l'autre jour, je parlais avec une de mes filles. Donc, elle a fait le sacrifice du bouc. Elle a fait 3 boucs. C'était en 4 semaines. Après, elle dit, je lui parlais après le 3e bouc. L'Esprit me dit, dis-lui qu'elle doit faire le bœuf. Elle a sacrifié le bœuf. Je lui dis, elle me dit, elle commence à rire. Elle me dit, tu sais quoi, elle a 2 jours. Quand j'étais en train de, je conduisais comme ça, j'ai reçu ça dans mon esprit. Ne laissez pas les instructions que le Seigneur vous a données tomber à l'eau. Parce qu'il vous a parlé, vous n'avez pas écouté. Donc, Rolby, qui est au Luxembourg, écrit sur le numéro 00237-693-50-2266. Donc, vous pouvez aussi envoyer les dîmes chez les représentantes si vous n'arrivez pas à nous joindre au Cameroun. Et elles vont acheminer ça. Voilà. Bon, il y en a aussi parmi vous. Pour les kits, comme j'ai dit l'autre jour, il y a on vend les encens, le sel, on rapporte le sel un peu. Il y a les kits aussi. Donc, Nobre dit que tu veux me parler. J'étais venu te parler en rêve. Si tu me vois dans tes rêves, comment tu peux rester comme ça là, tu ne cherches pas à avoir un rendez-vous avec moi? L'esprit n'est pas fou, hein? L'esprit va vous guider. Bonjour la reine Christelle. Tu restes, l'esprit te montre en rêve comment je suis en train de te laver par exemple. Tu ne viens pas me voir pour que tu te laves. Ou tu ne prends pas de mes lavages à distance. Votre problème, c'est que quand l'esprit vous parle, mais vous tardez trop. Nobre, le rendez-vous, ça dépend du pays où tu te trouves. Les rendez-vous, c'est... si tu es au Cameroun, si tu es au Gabon, c'est 40 000. Si tu es au Cameroun, c'est 33 000. Si tu es en Europe, ça fera 100 euros. Et j'ai inclus un lavage là-dedans. Donc voici les couleurs de sel. On a le sel de déblocage. On a le sel pour le succès et le commandement. Sel de purification. Sel pour retour à l'envoyeur. On a les encens. Donc, ceux qui sont à Douala, qui me suivent, vous êtes à Douala. Vous devez... si vous êtes à Douala, vous devez partir à Makepe, derrière Paja Center. C'est là-bas qu'on est basé. Derrière Paja Center, il y a une menuiserie. On est en face de la menuiserie. On a la menuiserie qui est en face de... qui est derrière Paja Center, à Makepe Lycée. Donc, pour la Côte d'Ivoire, le numéro, c'est le 225-08-75-394. Pour la Côte d'Ivoire. Elle a les produits là-bas. Elle va t'envoyer. Oui, tu peux brûler la sauge en feuille chez toi. Bon, on a le kit fondation. Ça vient généralement comme ça, c'est plus facile à transporter. Nobre, je ne fais pas la réduction, mamie. Si tu es étudiante, non. Je ne fais pas la réduction pour les étudiants. Là, vous avez le sel, ma chérie. Tu peux être étudiant, tu as l'argent. Tu as même l'argent plus que les gens qui travaillent normalement. Pourquoi vous voyez toujours comme les pauvres? Irène, tu as essayé de prendre rendez-vous avec moi? Tu m'as déjà vu en rêve 2 fois. Bon, je n'ai pas encore de représentant à RDC, Hortense. Donc, on fait le lavage à distance. Vous pouvez envoyer votre photo et votre nom. Irène Niquez, prends le numéro aussi. 00241-0741-80080. Tu peux prendre le rendez-vous là-bas. Tu pourras me parler aujourd'hui, je pense. Donc, il y a le kit fondation. C'est pour les gens qui veulent enlever les malédictions sur eux. Donc, il y a les malédictions. On peut poster à Bafoussam. Malédiction de qui vient de ton père ou de ta mère. Ta vie ressemble à la vie de ta mère. Tu n'avances pas. Voilà les kits.
Pour la Côte d'Ivoire, tu contactes la représentante, elle va te donner les prix Sandy. Le kit fondation en Côte d'Ivoire, je crois que c'est 65 000. Le kit commerce en Côte d'Ivoire, c'est 70 000. Tu n'as pas pour le home, le box, le kit commerce. On a aussi le kit de déblocage plus plus. Les gens qui sont victimes de sorcellerie, qui sont envoûtés, les gens qui ont beaucoup de maladies dans le corps, coups battus, blocage. Donc ça te débloque d'abord à la base, mais l'autre aussi c'est un peu avancé. Voilà. On a aussi le kit commerce. Ça c'est pour les gens qui ont des business. Il n'y a pas de représentant au Congo Brazzaville, mais on peut poster, on envoie. On envoie là-bas. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui part, il vient en. Votre index c'est combien? 243 ou 242? J'ai quelqu'un qui va là-bas dans 2 jours. Ouais, le 26. Donc, on a le kit commerce. Ça, c'est pour ceux qui ont le business. Commerce en ligne, commerce physique. À Douala, le magasin, oui, 242. J'ai quelqu'un qui arrive dans ce pays-là après-demain. Donc, kit commerce. On est basé à Douala, Makepe, derrière Paja Center. Il y a une menuiserie. On est en face de la menuiserie. Il y a ma photo sur le portail. Roland, je ne donne pas les coups de main. Il faut te laver avec le sel d'abord. Je ne suis pas la charité. Quand je fais les offrandes, je parle au félinat, fais mes dons. Tu as compris? Je suis ici là pour vous encourager, pour que vous appreniez à utiliser vos dons spirituels. Tout roi ou toute reine qui croit qu'il faut qu'il supplie pour avoir quelque chose. Je n'ai pas de représentant au Maroc. Si tu as quelqu'un au pays qui part au Maroc. Donc au Gabon, on est basé à Louis et à Saint-Germain aussi. Saint-Germain. Il y a une station pétro Gabon à Louis, pardon, à Saint-Germain, en ville là-bas. Donc, je vais donner les numéros à nouveau. Pour le Gabon, 0741-80080. Gabon, 0741-80080. Côte d'Ivoire, 08-27-53-94. Allemagne, 017-66-41-99-519. 0 1766 41 99 519 Bruxelles 0 466 10 40 87 pour le mariage, je prends le kit déblocage et le kit attirance. Les deux là. Comprends, il y a quelqu'un à Nantes. J'ai une représentante à Nantes. À Nantes même chez quelqu'un. Donc tu peux aller chercher chez elle. Donc à Nantes, le premier, vous allez faire le bain sur place. Vous pouvez aller à Nantes sur place faire les bains. Je cherche encore plus de représentantes pour que je veux qu'on fasse physiquement en attendant que je vienne. Je compte venir très 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 rapidement chez vous. Donc, celle de Nantes, son numéro c'est le 06 20 00 63 59. 06 20 00 53 63 pardon, 59. Je répète pour Nantes. 06 20 00 63 59. Paris 07 53 95 56 69. 07 53 95 56 69. Washington, Canada, tous les États-Unis. Plus 12 02 98 98 352. Yaoundé 655 31 07 50. Yaoundé 655 31 0750. Douala 680 71 0701. Voilà. Bruxelles 04 66 10 40 87. Plus 32 466 10 40 87. Ça c'est pour Bruxelles. Voilà. Donc, on fait les bains de déblocage. Côte d'Ivoire, plus 225 08 27 53 94. Plus 225 08 27 53 94. Prenez de quoi noter, ne vous amusez pas avec moi. Nantes, 06 20 00. 63 59. Voilà. Si vous voulez un rendez-vous, vous prenez avec les représentantes. Elles vont me donner le rendez-vous directement. C'est plus facile que je vous ai.
Si vous voulez la consultation, si vous voulez le lavage, lecture de destinée, toutes ces choses. Donc, vous déroulez le direct. Abonnez-vous sur YouTube. Mon nom sur YouTube, c'est The Gift Digger Academy. THE espace GIFT espace DIGGER espace Academy avec Y. The Gift Digger Academy. Donc, merci pour les likes. Je vais donner encore pour l'Amérique alors. Si vous contactez une des représentantes, elle ne vous répond pas. Contactez l'autre. Parce que c'est WhatsApp. De tous les pays, vous allez avoir WhatsApp. Parfois, une représentante peut prendre un pays, elle vous envoie dans l'autre. Ou bien elle peut commander chez nous au Cameroun. On vous envoie. Donc, pour les États-Unis, c'est plus 12 02 98 98 352. Voilà. Donc, abonnez-vous. Merci pour les partages sur Facebook. Merci. Merci pour les likes aussi. Bon, les ateliers de vacances pour les enfants, ça commence toujours le 1er juillet. Donc, si vous avez des enfants au Cameroun, on a l'atelier de, on a le camp de vacances. Donc, on pourra avoir certains enfants qui vont venir dormir pendant un mois. Et on aura des enfants qui vont venir le matin, rentrer le soir. Ça doit aller à Makepe. Et aussi au Gabon, à Libreville, à Saint-Germain. Donc, on aura aussi un centre là-bas. Donc, vous passez une superbe journée. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de les poser. Si vous contactez un représentant, il ne vous répond pas. Contactez l'autre. Ne vous laissez pas arrêter. Donc, pour les rendez-vous, vous prenez les rendez-vous et puis vous envoyez les sous surtout. Moi, je fais rien sans te payer. Pas des affaires que je fais. Après, je dis que je vais envoyer l'argent après. Après, j'envoie l'argent quelque part, tu me dis que l'argent a disparu. Je suis plus sur ça. Voilà. Donc, vous pouvez aussi commander le sel. Peut-être que tu n'as pas 15 000, tu n'as pas 20 000 pour me payer. Prends juste le sel. Le sel, généralement, c'est 1 000 francs, 2 000. Il y a le sel pour présenter à la maison, là, pour décorer la maison. L'autre, là, c'est 5 000. Donc, il y a le sel pour le lavage. Voilà. Merci beaucoup pour vos roses. Merci pour vos offres que vous me donnez. Merci. Donc, vous passez une très, très belle journée.